Située au nord-est de la Pologne, la ville d'Augusto accueille depuis plus de 10 ans la deuxième et troisième manche du championnat du monde d'endurance de motonautisme avec toujours autant de ferveur et de passion. Au programme, deux courses de 6 heures avec un parcours de 3 500 km sur le lac Neco. Après un abandon malheureux lors des 24 heures motonautiques de Rouen, le team Neptune Touax Inshore a fait le déplacement et les pilotes Vincent Ducellier, Mathieu Manchon et Fabrice Boullier tenteront d'accrocher une troisième place au championnat du monde pour les pilotes de cette saison 2015. Les essais un petit peu difficiles vu les conditions atmosphériques, sinon on a pu faire tous les essais d'hélice qu'on avait à faire. Le résultat est très prometteur. On a pu essayer toutes nos hélices, on a fait un bon check-up des hélices. Donc on pense avoir choisi la meilleure, maintenant à voir sur la course aujourd'hui. On est prêt, en plus les conditions sont les mêmes qu'hier, donc il va falloir être très vigilant. L'avantage c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'enjeu parce que malheureusement on a marqué 0 points à Rouen. On a quand même envie d'une bonne revanche, hein, et que surtout les trois pilotes s'amusent bien et en profitent un maximum. Avec des conditions particulièrement difficiles, avec notamment des rafales de vent avoisinant les 100 km/h, les pilotes éprouvent toutes les difficultés à exploiter pleinement le potentiel de leur bateau. Plan d'eau très très difficile, on n'a jamais vu le lac comme ça, avec des rouleaux. On est parti avec une stratégie à faire 2 heures dans le bateau, donc on était chargé un peu plus en essence. J'ai réussi à tenir les bateaux qui étaient plus légers que moi, qui allaient forcément plus vite, ils m'ont mis un demi-tour et puis dès que mon bateau s'est allégé, j'ai pu repasser et mener la tête un petit peu, quoi. Les conditions météorologiques trop difficiles poussent les organisateurs à arrêter la course prématurément. La course a été arrêtée vu les conditions atmosphériques. Il restait à peu près encore 1h30, on finit second. Super relais de Vincent. Derrière, après, il y a eu Fabrice qui a un petit peu galéré au départ. Et puis après, il s'y est fait tout doucement. Mathieu, malheureusement, n'a pas eu grand-chose à faire puisqu'il est tombé assez rapidement sous Pace Boat. Le bateau termine donc second de sa catégorie derrière le team Navicart, ce dernier ayant mieux géré ses ravitaillements autorisés sous Safety Boat. Malgré tout, cette prestation laisse de bonnes chances au team pour la seconde course. Le lendemain, les bateaux se dirigent à nouveau vers les grues pour la mise à l'eau des embarcations. Le pilote du numéro 34, Vincent Ducellier, nous détaille la stratégie mise en place pour cette seconde journée de course. Mathieu Manchon va prendre le départ aujourd'hui. On a changé un peu de stratégie parce que du coup c'est un peu la même situation qu'hier au niveau du temps. On est parti sur des relais plus courts pour pouvoir bénéficier des safety boats. On va essayer de jouer sur cette stratégie, des relais un peu plus courts pour pouvoir bénéficier de tout ça. Bon, il faut qu'on aille chercher Newstar qui est quand même très rapide, plus rapide que nous je pense. Sinon le reste ça se tient dans le même temps, donc ça va être une belle bagarre. We'll be right back.
un temps relativement clément par rapport à la veille, le bateau du team Neptune Twax Inshore se mêle à la bataille en catégorie classe 2. Cependant, un peu plus d'une heure après le début de la course, Mathieu Manchon est remorqué suite à la perte de l'embase. On était troisième. Lorsqu'on a eu un petit souci technique, on a cassé l'arbre d'embase. On a perdu notre hélice et on a cassé l'arbre. Du coup, on est remonté. Et on a pu réparer, changer l'embase, remettre une hélice. Ce retour au stand, dû à ce problème mécanique, risque d'être difficile à combler. Mais les très bons ravitaillements du team, ainsi que les déboires des concurrents, peuvent permettre au team de rattraper son retard. On a été pendant presque 30 minutes sous Paceboat parce que le team Navicart a fait un tonneau. On a profité d'un drapeau jaune là pour faire le ravitaillement, on a perdu zéro tour. Un très bon relais, on a vraiment un plateau très très haut cette année. Franchement une bonne compétition et je salue mes concurrents au niveau actuel. Malgré deux très bons derniers relais, le bateau numéro 34 ne refera pas son retard sur ses concurrents et terminera au pied du podium de sa catégorie. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On finit malheureusement quatrième et là, il n'y avait rien à faire pour aujourd'hui. Ce qui nous a fait arriver quatrième aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on a une embase qui a cassé. Certainement dû aux conditions météo très difficiles hier, l'embase a dû souffrir énormément. Financièrement, c'est très très dur. Il faut absolument qu'on retrouve de la finance des partenaires parce que la saison s'annonce somme toute très difficile. Wow, 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 wow.